Voilà monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 10 février. Un énorme tremblement de terre a frappé la France la nuit dernière. Cela a eu pour effet des événements catastrophiques dans le monde, provoquant des dégâts considérables. Hier, aux alentours de 23h, de violents ouragans se sont abattus dans les Caraïbes. Un peu plus tard dans la nuit, un tsunami a ravagé les côtes indonésiennes, provoquant de lourds dégâts. Tôt ce matin, l'ONS de Milan a enregistré une importante activité volcanique près de l'Etna, ainsi que plusieurs répliques d'intensité différentes. Revenons tout d'abord sur la catastrophe survenue la nuit dernière. L'origine du séisme n'a pas encore été identifiée, et d'après les scientifiques, l'épicentre se situerait dans le nord de Paris, près de la porte d'Aubervilliers. Pour faire le point sur la situation actuelle, rejoignons nos envoyés spéciaux, Kelly Don Roses et Eric Brun. We'll be right back.